esplanade. Évidemment, j'ai envie de comprendre. J'ai vu passer des perroquets. Et évidemment, j'ai interrompu la vidéo précédente pour passer un agrandisseur et il n'y a plus de mouvement. Passons à la suite. Il faut savoir recommencer, abandonner, sinon. C'est passionnant. Là, c'est pareil, ils sont rapides. Ils vont d'un bout à l'autre de l'esplanade. Alors pour les attraper, ça va être un coton. Mais ce que vous avez vu passer subrepticement, c'était des perroquets verts. C'était vert, ça n'était pas des pigeons. Ce cri-là, ça n'est pas un chant de pigeons. Et puis je sais bien que tout ça est brouillon. Oui, mais là, ça m'a énervé quand même. Alors, ça, c'est les perroquets. Là, j'aimerais, je suis au hasard, je ne l'ai pas vu, vous ne l'avez pas vu certainement. Je reviendrai un matin aux aurores exprès. Exprès pour eux. Alors là, après tous les oiseaux que je traque dans mes contrées, à refaire. Il faut savoir être patiente. Il y a des vidéos que je refais tant de fois avant que vaguement elles vous agréent ou m'agréent. Des canards, des goélands, des pigeons, des moineaux. C'était banal. Mais là, des perroquets verts. Je vais même devoir me spécialiser dans les cris des oiseaux hein, pour pouvoir progresser et vous raconter des choses toujours aussi sinon intéressantes ou du moins variées. Ce cri un peu strident, c'est que à force de crapahuter, je fatigue. Je viens de me poser sur un banc de l'esplanade et ne sais vers où partirai, épuisé comme à l'accoutumée. Ce cri-là, je pense que c'est les perroquets, mais je ne sais même pas si vous l'entendez. Et autour, il doit y avoir des tas de bruits parasites. Dans mes priorités. Je veux voir, comprendre, attraper. Ça, c'est un bruit différent d'oiseau, très clairement. De ce que j'ai à ma maisonnée. Fatigué. De la comédie au courant. Des perroquets aux petites pattes. Une autre traversée. Une autre traversée. C'est fatigant le dimanche en ville en fait. Hein. Et là-bas, quitte à rallonger, cette fois-ci, ça devrait être des vrais joueurs d'échecs. On va le tenter.
J'ai essayé de le filmer l'autre jour, mais il y avait des gens qui mangeaient, c'était pas des vrais joueurs. Vous avez des pièces, c'est déjà énorme. Je crois que vous allez me dire, vous avez des lunettes. C'est dans l'artillerie. Parce qu'ils ont fait la condamnée, elle est tellement difficile, c'est pour qu'on l'a pour l'avoir. Merci. De rien. En Algérie, ils font du faux. Donc, du coup, ce qu'ils ont fait. Et ben des perroquets que vous vous contenterez de ma parole comme bien souvent aux joueurs d'échecs que vous avez vu en direct. Ben vous avez comme chaque été. Une petite reine. J'avais pas prévu de le filmer, mais cet été, pour vous montrer la ville, il est devenu un incontournable. Ne sait ce que ferait. Vous les avez pas vus peut-être, mais vous les entendez, ces perroquets. Je reviendrai.